notre Canada. Grandiose, magnifique, puissant. Un grand pays doté d'une beauté naturelle saisissante. Ce soir, les Canadiens accueillent le monde. Un immense honneur qui nous échoit et nous enrichit. Deux fois hôte des Olympiques par le passé, Montréal en 76, Calgary en 88, sans jamais remporter l'or chez nous. Mais ces Jeux seront différents. Les Olympiques d'hiver de 2010, là où nos hommes et nos femmes s'élèveront et dans leur quête pour atteindre les plus hauts sommets, ils nous inspirent et nous motivent dans nos propres défis. Les nations s'édifient sur le partage de grands moments et ceci est l'un des nôtres. L'heure est bien choisie, la toile de fond absolument parfaite. Vancouver, précieuse perle du Pacifique, sertie entre les vagues moutonneuses et les majestueuses montagnes, une ville nimbée de brouillard et de frimas, de verre et d'acier, liée par un ruban d'asphalte tendu jusqu'à la deuxième merveille de ces Jeux, Whistler. Un paradis hivernal de vallées creusées à même les glaciers et les pics enneigés. Au fait de ces sommets se tiennent nos athlètes. Ils font face à une pression sans précédent. Les espoirs de toute une nation sont sur leurs épaules. Ce skieur de Vancouver donnera le rythme. Manuel Osborne Paradis, au cœur d'une véritable avalanche d'attente. L'étourdissante équipe de courte piste, inspirée par Charles Hamelin et Kalina Roberge, est marquée par le saut du Québec. À Eckville, en Alberta, 950 de ses concitoyens encouragent Melissa Hollingsworth, se lançant sur une piste de glace comme si elle dévalait la rue principale glacée. Après une grande déception olympique, Jeremy Wotherspoon espère renaître de ses cendres. Patrick Chan et Joanie Rochette, la jeunesse et la maturité, les promesses et les accomplissements. J.C.J. Anderson n'a jamais été aussi prêt. Dominique Maltais n'a jamais été aussi déterminé. Et Alexandre Bilodeau, qui puise son inspiration à même le courage et la ténacité de son frère Frédéric. Et puis il y a le hockey, notre religion nationale. Un amour inconditionnel pour ce sport coule dans nos veines. Et avec tant de talent, le seul résultat acceptable est l'or. Sur la glace, sur la neige et dans les airs, nos Québécois devront apporter leur contribution de médaille pour que le Canada puisse finir premier. De voir que, comme province, on peut apporter notre lot de médailles, c'est très intéressant. Mais je pense qu'au Québec, on a une grande tradition de sport sur glace. La pression est quand même un peu répartie. T'sais, c'est pas juste sur une personne à traîner le pays ou à traîner le Québec. C'est sûr qu'un de nos rêves, ce serait de finir sur le podium à Vancouver. En ayant vu ce qu'on a fait par le passé, les athlètes du Québec en patinage de vitesse courte piste, mes attentes sont élevées. Quand je vais être sur le podium, c'est sûr que je vais porter le Québec dans mon cœur. C'est une grande fierté de voir qu'il y a autant de Québécois sur la délégation canadienne. Mais le chemin vers la gloire est périlleux, puisque ce soir, les plus grands athlètes du monde arrivent, venant aussi chercher la gloire et leur place dans l'histoire. L'équipe russe de hockey, chargé d'un talent électrisant, mené par une force irrésistible, Alexander Ovechkin. La gracieuse Kim Yuna de la Corée du Sud, entraînée par le Canadien Brian Orser, qui par elle touchera peut-être enfin à l'or olympique.
Des basses terres écossaises et de la ville de glace chinoise, la suprématie du Canada en curling est menacée comme jamais auparavant. Surfant sur une vague de glace, Shaun White de Californie plane bien au-delà des rêves de ses compétiteurs. Son éblouissant palmarès est malgré tout incomplet. Lindsey Vonn, pour qui une seule médaille d'or ne serait pas suffisante. Et Apollo Ohno, férocement décidé à imposer sa loi à son dernier tour de piste. Ils sont tous venus, pas pour faire notre éloge, ni pour nous honorer, mais pour nous battre. Ce soir, le Canada investit Vancouver pour se mesurer au meilleur du monde. Et notre intention est claire. Conquérir le podium. Après ces 17 jours passionnants, le Canada sera vu différemment. Plus qu'une nation d'hôtes courtois, il sera vu comme une nation de leaders, de héros et de champions. C'est notre moment. Ce sont les Olympiques d'hiver du Canada. Que nos Jeux commencent.